Ok. Et bonjour les gens, c'est HSK2, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai tout simplement déballé mes boîtes Lego Avengers Infinity War car je les ai toutes achetées comme vous pouvez le voir. Je vais tout simplement commencer par celui-là. Alors je vais faire 3-4 vidéos dessus. Je vais faire une où je déballe les deux plus gros, ensuite les deux moyens, les deux plus petits, puis je ferai une vidéo où je présenterai un peu mes Lego Avengers, voilà. Donc je commence par lui. Alors pourquoi je commence par lui? Tout simplement parce qu'il y a le gant de l'infini et comme ça, petit à petit qu'on montera mes sets, et petit à petit on pourra compléter le gant de l'infini finalement, donc ce sera assez cool, ce sera notre petit objectif qui sera atteint, voilà. Donc j'ai hyper hâte, voilà, donc comme vous pouvez le voir on a Thanos, Iron Man, Star-Lord et Gamora, voilà. Donc là j'ai mis une petite caméra juste ici pour qu'on puisse voir quand je construis, et il y aura bien sûr des petits timelapses. Donc voilà, donc on a déjà notre petit Thanos et notre petit Star-Lord, voilà, bon Star-Lord, rien d'exceptionnel, hein. C'est, enfin rien d'exceptionnel dans le sens où sa tête, c'est la même tête que celui du soldat d'hiver, donc rien d'exceptionnel. Par contre, ce qui est exceptionnel, c'est bien sûr Thanos, voilà, Thanos, une big figurine, vraiment stylée. On a son épée qui est pas ouf en fait, parce qu'elle ne tient pas du tout, voilà, c'est vraiment pas ouf. Voilà, on va faire le petit socle maintenant du petit gant de l'infini. Et alors là, première pierre de l'infini, voilà, la pierre, l'éther, hein, la pierre de la réalité, voilà, donc c'est parti, première pierre. Et donc du coup, là, on a notre petit gant de l'infini que l'on peut mettre du coup à Thanos, voilà, Thanos, il est vraiment stylé là, vraiment, on a, vous voyez là, là, vraiment pas mal. Juste ici à quoi ça va servir, c'est tout simplement voilà un petit vaisseau, rien de plus. Et on va passer au deuxième paquet, voilà. Donc on a Gamora juste ici, voilà. Alors Gamora qui est une figurine vraiment super stylée, elle est vraiment hyper stylée, genre la définition au niveau du pantalon, le corps est super bien, c'est vraiment hyper bien détaillé, les cheveux qui sont vraiment stylés, hein, avec le petit dégradé violet. Et on est parti pour le début de la base du vaisseau. C'est parti. Alors, je me permets de couper ce petit timelapse des familles pour tout simplement, là, on est au dernier sachet, donc le sachet numéro 6, et on arrive du coup à la construction de l'armure Iron Man, donc de l'Iron Man Prime, avec une toute nouvelle tête et avec des toutes nouvelles armes. Donc vraiment une armure qui est hyper stylée. Je sais pas si on... Je regarde un peu vite fait, si on arrive à faire le point, mais elle est hyper badass. Une... super belle tête, vraiment super stylé. Et un des meilleurs trucs, c'est cette tête, quoi. Non mais les gars, sérieux, attendez, c'est le genre. C'est juste la tête la plus badass du monde. Tout le monde rêvait que Lego fasse enfin une de ces têtes. Elle est vraiment hyper stylée. Donc ça, ce qui est bien, là ils ont rajouté un... Enfin ils ont pas rajouté, mais ils ont fait un truc en plus, c'est que là, contrairement à l'ancienne armure, donc qui est... Voilà, donc ça c'est l'armure de Civil War. Voilà, donc ça c'est l'armure de Iron Man Civil War. Avec la tête ici. Allez, fais le point. Fais le point, bâtard. Voilà. Et là,
l'armure qui est beaucoup plus stylée. Et là, on peut voir que. Non. Voilà, les yeux sont bleus. Là, les yeux de l'armure d'Iron Man sont plus bleutés, donc ce qui rend un côté très très sympatoche. Donc là, on va faire par conséquent les sortes d'ailes là qu'on peut voir sur l'armure ou même sur la figurine pop. Voilà, donc ça nous donne une petite armure sympatoche, mais alors franchement j'aime pas trop parce que quand on regarde l'armure d'Iron Man là, ça nous fait des petites ailes, c'est stylé, c'est discret et ça donne un certain charme, on va dire. Genre c'est des petites ailes quoi. Ensuite quand on regarde genre les images sur internet de l'armure, ça fait des petites ailes non plus. Alors que là, enfin je sais pas genre. J'espère pas être le seul, mais pour moi, là, c'est pas des ailes, quoi. C'est clairement pas des ailes, là. On est au-delà de ça, les gars. Là, j'ai l'impression c'est un début de transformation de l'armure en Hulkbuster, clairement. Enfin, je veux dire, regardez-moi la taille de ses ailes. Contrairement à là, où c'est beaucoup plus stylé. Bah en fait, ce qui il me reste, comme vous pouvez le voir là, il me reste juste cette partie d'aile là, enfin la partie gauche, la partie gauche. Je bégaye, j'en éclose et j'ai fini le Milan Faucon. Alors j'avais dit que normalement genre que je ferais cette boîte là après. Celle-là. Mais j'ai. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, c'est déjà il est 21h, j'ai pas trop le temps de faire encore 20 heures de go. Et en fait, surtout que j'aimerais plutôt faire celle-là. Voilà, c'est beaucoup moins volumineux. Mais tout simplement parce que j'aimerais juste finir entièrement le Milano. Donc voilà, du coup. Puis en plus, j'aurai tous les gardiens de la galaxie. Il manque Drax, Mantis. Mais c'est tous les gardiens de la galaxie des Lego actuels qui existent. Après, normalement, étant donné que Avengers 4 se focalisera plus, apparemment, sur les personnages secondaires, eh bien, on peut attendre les éventuels produits Lego. Alors, c'est vrai que je vais devoir attendre un an, mais bon, ça vaudra sans doute le coup. Donc, à mon avis, Drax, Mantis, s'ils sont encore en vie, hein, parce qu'on ne sait pas s'ils vont encore survivre. Mais j'espère, comme ça, je pourrai les avoir et j'aurai les personnages d'Avengers Infinity War au complet. Donc voilà, donc je vais, après avoir fini le Milano Faucon, je déballerai tout simplement cette boîte-là et comme ça, on aura tout et en plus, on aura tous les gardiens de galaxie. Voilà. Donc du coup, c'est parti pour finir l'aile et le début du. Enfin, le début. La deuxième boîte. Allez, c'est parti! Bon, et bien voilà, le Milano est enfin terminé. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. J'espère que vous le voyez bien. Une assez bonne bête, hein, une assez belle bête. Il est assez gros. Voilà, donc du coup, comme je l'avais dit, le truc, cette chose-là, se mettait ici. Hop là, voilà. Donc, et hop, ça on ferme là. Voilà, donc le Thor, le vaisseau où il y a Rocket, Thor et Groot. Se mettra par conséquent, voilà, il se mettra là tout simplement. On peut voir qu'on peut l'ajouter juste ici. Bon, bah, let's go ouvrir celui avec Thor tout simplement. Voilà, donc on a notre petit Rocket Raccoon stylé qui, contrairement à ma figurine que j'ai, a une bouche et sourit. Voilà, ah, j'ai qu'une arme. Ah oui, mince. Voilà, donc pourquoi pas. Voilà, vous voyez là. Il a une petite bouche, il sourit, il est content. Alors que le mien, il ne sourit pas, il n'a pas de bouche en fait. Voilà.
Ok, alors là, du coup, on attaque le deuxième sachet. Donc, j'ai déjà fait la majeure partie du truc. Donc, après, il ne restera plus que le toit, en fait, et après, le réacteur que Thor allume là. Donc, on commence tout de suite avec la figurine de Groot. Bon, allez, c'est parti. Hop là, donc, le Teenage Groot. Hein, voilà. Hop, le petit Groot adolescent. Qui dans l'abondance est toujours sur son téléphone portable, donc c'est assez étonnant qu'il l'ait pas fait sur son téléphone, qu'il ait pas mis un téléphone portable. Voilà, bon, petite figurine assez sympatoche, hein, on va pas se mentir, elle est pas mal. La tête est stylée, franchement, la tête est stylée et le corps est assez classe, donc on va rien dire. Hein. Voilà, très très bien. Voilà, donc là on a la pierre, on a les pierres, maintenant on a l'orbe. Voilà. On a le Stormbreaker. Le voici, le voilà. Voilà. Fait avec un bout de branche. Hein. Donc à mon avis, ça va être Groot qui va donner un bout de lui. Et voilà, on a notre petit Thor avec sa coupe de cheveux. Et voilà. On a tous nos personnages finalement. Et donc voilà, nous avons fini. J'ai fini donc mon petit vaisseau, voilà. Petit vaisseau, ben, très sympatoche, hein, avec voilà, peut tirer des missiles, y a des... c'est assez cosy, hein, finalement. On peut ouvrir le toit. Bon, même si l'espace est assez restreint, je vais pas vous mentir, c'est très stylé. Donc là, on a le petit tourbillon, hein, le truc, hein, avec la pierre du pouvoir juste ici. Bon, je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais bon. Donc là, on peut avancer, faire reculer, en gros. Donc là, on va faire tourner. Mais du coup, là où ça devient hyper intéressant parce que je l'ai fini, vous voyez, et donc là on peut voir que ici il y a pour relier au Milano. On va le faire tout de suite. Et voilà les gars, on a notre Milano entier. Voilà, j'espère que ça rend pas mal. On a notre Milano entier. Donc là, il suffit juste de débloquer juste là et ça part. Voilà, donc il est vraiment assez imposant. Voilà les gens, c'est déjà la fin de ces vidéos. Vous pouvez laisser un j'aime, un commentaire, partager si ça vous a plu. Et bien sur ce, ciao!